bonjour, dans Était une fois un livre, aujourd'hui direction l'Islande, avec ce livre d'Yrsa Sigurðardóttir, ADN. Avec ce roman, elle commence les aventures de Huldar, qui est officier de police, et de Freya, qui est psychologue pour enfants. Les deux vont se retrouver sur des enquêtes où des meurtres vraiment monstrueux sont commis. Pourquoi ils vont se retrouver ensemble? Tout simplement parce que lors du premier meurtre, la plus jeune fille de la dame qui est assassinée a assisté à la scène. Donc elle va être suivie par une psychologue, donc Freya, et l'officier de police va travailler avec elle sur comment résoudre, essayer de trouver l'assassin, puisque la gamine a vu des choses que les policiers ne peuvent pas savoir. Donc c'est toute une enquête qui mêle psychologie enfantine, qui mêle aussi les jalousies, qui mêle les rancœurs d'histoires passées, parce que c'est ça aussi l'histoire, c'est des rancœurs sur des décennies précédentes. C'est un livre qui est vraiment très très intéressant. Les scènes de meurtre sont assez monstrueuses, hein, je ne vous le cache pas. Il y a même des passages qu'on a envie de passer parce que c'est vraiment difficile. Mais l'enquête en elle-même est juste fabuleuse. Et je découvrais donc cet auteur pour la première fois et je n'ai pas été déçue, à tel point que je suis en train de lire le second volet de leurs aventures. Donc je vous le conseille vivement, il est disponible à la médiathèque de Romba. Ça s'appelle ADN, d'Yrsa Sigurðardóttir.